Et du coup, ils vont essayer de jouer sur le truc. Ah oui, moi, alors tu le préfères à lui? Ah, tu le préfères à moi? Ça n'a rien à voir qui je préfère ou qui je préfère pas. Le truc, c'est que ces hommes ou ces femmes ont des enfants plus jeunes. Alors, si ces grands-enfants ne sont pas capables de faire la différence, que des hommes et des femmes ne peuvent pas déménager à 500 ou 900 km, à 300, 400, eh ben, ça, c'est leur problème, ok? Donc, à un moment donné, c'est des enfants qui sont uniquement centrés sur leurs besoins à eux et qui vont oublier les besoins d'enfants qui sont plus jeunes qu'eux. Donc, c'est de l'égoïsme de genre Tanguy, hommes et femmes. D'accord? Donc, moi, ne rentre pas là-dedans. Donc, soit ils restent où ils sont, ou ils déménagent et ils se prennent quelque chose. Mais en aucun cas, vous devez vous sacrifier pour eux. Non, mais je vous le dis, parce que je le vois. Parce que il est clair que la jalousie va arriver. Hein? Moi, ils vont essayer de te dire, pourquoi c'est pas lui? Ou pourquoi c'est pas elle? Eh bien, parce qu'il peut pas. Il peut pas. Il peut pas, lui ou elle, parce que ils verront plus leurs enfants aux fréquences qu'ils doivent les prendre. OK? Et que les vôtres sont très grands. OK? Donc, hein? Ne rentrez pas dans ce jeu qui est très toxique de vos enfants qui sont grands. OK? Ben, écoutez. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne vont pas vous suivre. Non. Non. Ils vont rester où ils sont, dans la région où ils sont, et tu vas déménager. Ah, mais je pense. Et qu'ils ne vont pas comprendre. Ah, ben, ils ne comprennent pas. Ah, ben, tant pis. Non, mais c'est très égoïste, en fait. Les enfants adultes sont très égoïstes. Si. Du coup, c'est comme s'il va falloir que tu choisisses entre ton mec ou ta nana et tes enfants qui sont adultes. Mais ils rigolent ou quoi? Ok? Pour eux, ça serait au mec ou à la nana qui a des enfants qui sont jeunes à venir. Mais c'est des malades. Je vous jure qu'il y a des enfants adultes qui sont malades. Ça va pas dans leur tête. Je te le dis. Donc du coup, pour moi, je pense que tu le feras. Mais si. Écoute, tu vas avoir des mecs et des nanas, les enfants sont scolarisés et tout, ils sont jeunes. Et vos gosses adultes qui vont essayer que ce soit le mec ou la nana qui vienne.